camarades, bonjour. Alors, me dans la cour du collège Dr. Maurice Curé, avec la head girl, lauréat fait qu'annoncer. Et le collège a raflé 6 lauréates, dont la bourse très convoitée du SSR. Malgré les célébrations par rapport aux résultats, il y a un petit climat de tristesse, parce qu'il y a somebody who is missing. Je connais qui ça m'a ça. Et la head girl va dire quelques mots à ce sujet. Et une perspective déjà qu'il devait porter à ce célébrat. Ben, je dis lui mettre la pote, on lui met un ruban grenard, mais aussi le ruban noir pour montrer qu'il nous fait toujours manifester. Une manifestation passive, on va dire, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas réussi sur la dernière levée et c'est dommage, c'est triste en fait, parce qu'il a fait tout ça pour le collège. Et ils ont dit, c'est pas de mise à droit là pour célébrer avec nous. Mais pas comment qui fait en fait le ministère indien qui nous va rien droit sur les lieux. Mais ni pas chic quoi, c'est pas possible. Mais là, tout ça aujourd'hui, c'est grâce à M. Soninadel et c'est pas fait de lui la chance de célébrer avec nous. Pour moi, c'est dommage, c'est tristesse, c'est pas juste, c'est la justice. Et mon pensée qui est population, bizarre, comment se causer. Alors, je me trouve un petit peu à peine tambour avec un banner qui va l'arriver passer. Thank you, Soninadel. En fait, l'année dernière, Bantifila, pour lauréat, dit carrément qu'il prend rectère là. Il soulève lui dans l'air pour Minli, comme un héros. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'est pas là, je vais faire un banan fin du saut. Et je vais parade banana comme si c'était le recteur lui-même, vous êtes. Félicitations! Merci beaucoup! How do you feel? Là, je suis en choc, là, donc j'ai même pas pu processer ce qui m'est arrivé. Quelques minutes, quelques heures, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais en tout cas, là, je dois dire merci à M. Soumina. Ah, excellent. Lui, c'est une bonne continuation de la dernière fois. Ça n'est pas possible. Sans lui, c'est l'effort qu'il a fait, one-on-one. Ça, je dois lui dire merci. Je lui dois ça, je lui dois tout, là, franchement. Et j'aurais tellement aimé qu'il puisse être ici maintenant. Waouh, merci, M. Soumina. C'est incroyable, je suis là lauréat aujourd'hui et le monsieur n'est pas là, vous êtes. C'est ahurissant, il est incroyable. Et me pensez, la ministre de l'éducation, vous avez réagi là. Nous, mon père a quitté ça, il n'y a pas qu'un droit qui décolle malheureusement. Mais nous, père a quitté sa pétition qui est dans ce lame là, qui vient de signer par 1358 d'Imun pour demander à ce que monsieur Soninadel soit présent dans l'enceinte de l'école aujourd'hui pour célébrer avec ce band d'élèves. Alors, me finis là, monsieur Soninadel, au téléphone ce matin. Que lui peut dire à moi que les papiers qui sont venus parce que la dernière fois, Valentine Vignem pour handing over, ça quand c'est la police qui tient là, je suis traité comme un criminel. Mais il y avait payé à commenter pour venir là aujourd'hui et il n'y a pas envie de cause aucun issues. Donc, je pensais qu'il est l'heure de demander à la ministre de issue un statement disant que M. Soninadel is welcome in the premises of the school, of the college. Parce que là, ça frise l'incompétence du ministre. Et me penser, c'est ça que ça m'a fait la conseiller, nous, pour bizarre, éventuellement, demand her resignation, parce qu'il n'est pas pu faire ce travail as we expect her to do it. Un camarade, là, on arrive devant IVTB et côté nain, Ministry of Education
Et bon, une pétition, pas une fête, comment dire, juste pour faire joli, hein, une pétition, une fête, for it to be delivered. Et donc, je peux rentrer et je peux pousser Garden Live, à moi qui balance, à moi qui ne peux pas gagner droit à filmer en or. Bon, tant que possible, moi, pour filmer, figure du monde, je peux mettre la caméra vers le bas à chaque fois, mais je peux attendre ça que nous pétions. Et je peux informer aux autres qui, que c'est live. Bonjour. Alors, ça, j'ai une pétition à déposer au ministre de l'Éducation. Oui. Concernant un truc urgent. Parce que les élèves sont les élèves du docteur Maurice Curé. Ils aimeraient que le recteur soit là aujourd'hui. Mais comme vous savez, il y a une grosse polémique à ce sujet où on a fait comprendre au recteur qu'il n'est pas le bienvenu à son école. Et je suis en live actuellement. Je fais ça. Il y a 1500 personnes qui ont 1358 personnes qui ont signé cette pétition là. Et j'aimerais, si possible, donner ça à la ministre personnellement. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Yes, est-ce que vous parlez s'il vous plaît? Bien sûr. Mais pas on record s'il vous plaît. No, what you said to me has to be on record. Non, vous êtes on the premises of the Ministry of Education. Mm-hmm. Vous n'avez pas le droit de filmer. Alors il y a un monsieur qui est devant moi là avec un policier et I'm not disturbing anybody. Oui, oui. I just need to submit this petition. On souhaiterait vous parler, arrêtez de filmer, on souhaiterait vous parler. Tout ce que vous me dites, pourquoi c'est... Vous avez mis des choses qui ne doivent pas être entendues online? Vous avez peur de ce que vous allez me dire? Non, pas du tout. Parce qu'il y a 42 personnes online là et ce serait bien que... Parce que moi je vais rester en ligne, je veux que quelqu'un me rencontre, je veux juste soumettre la pétition. Si vous voulez prendre la pétition et vous prenez l'engagement de soumettre ça à la ministre. Si vous voulez. D'accord. Il y a un monsieur qui est venu déposer une pétition. Et je demandais de prendre la pétition pour... Ensuite, l'envoyer au CDC. Okay. S'il vous plaît. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez, monsieur, me donner votre nom? Je m'appelle Dinesh Siari. Ok. Je peux vous filmer? Communication, non. Non, ok. Vous êtes conseiller en matière de communication. Non. D'accord. Est-ce que vous ne m'enregistrez pas? Vous faites ça? Non, je m'enregistre que moi, là. On entend ma voix. On vous entend votre voix. Et je vous ai dit depuis le départ qu'on vous entend. Vous faites tout ça sans mon consentement et sur on the premises. Du Ministry of Education, ce qui représente un délit. Okay. Non, je vous ai informé, je ne vous ai pas fait ça. Non. C'est ce qu'on vous a dit que, without our consent, you don't film us, vous ne enregistrez pas non plus. Okay. Donc, mais c'est important que les gens savent comment est-ce qu'on est reçu au ministère de l'Éducation. Écoutez, on vous a reçu, vous avez remis votre mais position. Mais est-ce something... This is urgent, parce qu'à 2h, il est quelle heure là? Ma montre ne marche plus. Quelle heure qu'il est, environ? Il est midi pile, vous autres, et à 2h, l'école va se fermer, 2h30, et nous aimerions que l'ex-recteur, qui aurait dû être toujours recteur, M. Somiladen, soit présent avec ses élèves. Il veut venir, mais on lui a fait comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, envoyez chez le ministre, et si on peut issue un statement que le recteur is welcomed, this would be best, parce que lui, il a peur de venir, parce que la dernière fois, il a été reçu par les policiers. Faites l'entrée, s'il vous plaît. Je dois faire l'entrée. Ok, là, je signe, et il est midi, c'est ça? Mon camarade, alors, me sorti au ministère de l'Éducation et me vinguette sur Miladen. Et d'abord, congratulations. Merci alors, beaucoup. Alors, me fin trouve, ça, tu fais qui tu fais ce témoignage là, qui vous fin donne le personal coaching, et ça, tu fais la même chose, lauréat. Alors, how do you feel? Bon, premièrement, moi, vraiment très content des résultats qui me vont nous aider finalement. Et me dédier sa réussite là, bien sûr, à mon personnel enseignant et non enseignant, et aussi à mes élèves même, et bien sûr à mes parents, vous êtes support, parce que sans l'aide des parents, c'est un travail d'équipe qui nous fait, et voilà les résultats qui nous ont amenés. Et ils vont me rappeler que quand je suis à l'DMC en 2017, j'ai gagné 2 lauréats. Et pas mon bonne façon, mon management style et mon motivation, comment me motive les enfants. L'année ensuite, il y a 4 lauréats. Ok. Et l'année dernière, c'était 6 lauréats. Et là, mon target et mon petit dialogue partout qui m'ont envie, qui DMC marque l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup de lauréats que toutes les écoles de Lille. Ok. Nous pas réussi à faire l'île, mais seulement. Je ne gagne assez cher. Seulement, comme on a des résultats là, sur qualité, il est beaucoup mieux que l'année dernière, c'est dans 6, avec des bonnes qualités, sans l'année là, de meilleures qualités encore, avec SSR, premier en sciences, premier en économie, premier en art side.
Et quand on fait cause outside, là, elle vient dans la tête, c'est une fille prise en 41. La fille, quand elle gagne son résultat en lower 6, c'est-à-dire en forme 5, elle gagne un résultat, quand elle l'a trouvé, elle a mis son option pour mieux faire mieux qu'elle pensait. Comparé avec l'option qu'elle décide déjà de choisir. Et là, dans sa option-là, elle dit vous allez faire mass main, anglais, français, main. Mais pas tiennant dans mon emploi du temps, dans mon time de vie, pas tiennant capable de fit in. Okay. Donc, là, de l'école de tout le monde, en fait. Là. Oui, là, ouais. Là, moi, je n'ai pas un tracas, moi-même, je fais classe là. Puisque moi-même, procès va d'ailleurs, elle a témoigné de ça l'autre jour. Oui, justement. Elle a une vidéo là, la dernière vidéo que j'ai fait, et vous avez trouvé là qui l'a dit. Ça démontrait que tout le temps, je œuvrais dans l'intérêt des enfants, et si j'aurais du moment, je l'ai démontré votre mécontentement. Concernant le transfert qu'ils m'ont gagné à la veille de la retraite et à la veille des résultats de la HSC, c'est tout à fait clair qu'ils ont trouvé que tout le travail qu'ils ont fait, c'est pour que mes enfants bénéficient. Ok. Alors, mais ce qui m'a déploré, c'est-à-dire ce qui fait moi aigri, ce qui m'a bien content d'être parmi mon staff, parmi mes étudiants aujourd'hui, pour célébrer une telle réussite. Mais malheureusement, balan cocassa, balan cocassa. Deprive moi ça, ça. Et malheureusement. And that's such a shame, vous êtes. Je ne connais pas qui va me conseiller, qui fait une conseil le ministère pour prendre une décision pareille. Me fait que je n'entends pas d'ailleurs. peut-être avec ces résultats, peut-être la ministre va trouver mais bizarre et tout. Moi dans mon place, hein, mais seulement. Valais le jour, moi je souhaitais être là-bas, mais seulement, et lundi, quand je suis à l'école, le traitement qu'ils m'ont gagné, et même directeur zone 4 si présent, il me fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être dans l'enceinte de l'école aujourd'hui. J'espère que ce matin, si vous n'avez pas besoin de gagner aujourd'hui, ça va en action là. C'est pas normal. C'est la bassesse d'esprit. Mm-hmm. Mais mon papa a le droit d'être une bassesse pareille, moi, dans l'école là-bas pour. Il faut la mettre dehors encore une fois. Exactement. Mon papa a dit ça, moi, au niveau de mon nom, mon principe. Mm-hmm. Et je souhaitais que la population gagne une leçon avec ça et qu'ils ont démontré leur mécontentement, de réagir pour qu'il y ait l'avenir. De telles choses ne se répètent pas. Surtout un officier qui ne travaille 44 ans. Et à la veille de sa retraite, il gagne le traitement. Et après ça, il gagne un coup de pied et aller. Exactement. Exactement. Bon, ben, bon courage. Merci pour le reste. I hope beaucoup. That they reconsider and that they bring you back to your school. Ben, j'espère. Mais comment dire, c'était punitif. Même si tu retournes là, a wrong has been done to you. Oui, oui. Wrong has been done to you. Et même là, mon père envisage peut-être une poursuite. I'd recommend that, yeah. Moral, hein. Mais vous pouvez contacter mon conseiller légal, get un coup. Est-ce qu'ils gagnent le droit de faire des affaires pareilles à cette époque-là? Exactement. Et pensez à la ministre, parce que nous tous disons qu'il est levé et peut-être éventuellement il réclame sa démission, parce qu'il n'est pas fini de jouer à sa classe-là, il fait une fail à ce devoir. Et c'est un truc qui n'aurait pas dû arriver à ce niveau-là, c'est une affaire qui est besoin de régler en interne depuis avant ça arrive, ça l'état là, qui n'est pas fini de régler. Donc. Il n'est pas normal et sa bande de should become answerable to the people et non pas de prendre décision aux autres, de faire ça qu'ils ont envie avec nous, de maltraiter du monde, de diminuer du monde et de deprive people of their rights et and they're left unpunished with it. No accountability. That makes sense. That makes sense. Donc voilà, merci. Merci. Et à bientôt vous autres pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.